Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons mener l'enquête et essayer de trouver l'identité d'agent secret avec le prototype d'un jeu qui arrive sur Kickstarter très bientôt. Il s'agit de Agent Who. Voilà, Agent Who, c'est un jeu de déduction, un jeu d'enquête. C'est un jeu de Isaac Nevo et c'est pour 2 à 5 joueurs, pour 12 ans et plus et pour des parties de 20 à 60 minutes, parce qu'évidemment vous allez mal peut-être maîtriser le temps de jeu puisque la déduction va aller plus ou moins vite suivant la rapidité d'esprit de certains un joueur. Et c'est, alors par contre j'ai un peu de mal avec mes lunettes parce que c'est écrit en tout petit, c'est chez uniquegames.com. voilà, donc uniquegames.com, et c'est donc Isaac Nevo. Ça sort sur Kickstarter, la campagne démarre sur Kickstarter le 1er novembre, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations du jeu. En attendant, moi j'ai une version anglaise ici, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'anglais sur les textes, sur les cartes pardon, sur le matériel. Donc je vous explique tout ça, et puis écoutez, je vous invite à aller faire un tour sur cette campagne de Kickstarter pour voir si le jeu vous convient, et puis pledger si ça vous dit. Voilà, c'est Agent Who. Voici le matériel pour une partie pour 3 joueurs de Agent Who. Alors, le but du jeu dans Agent Who, eh bien, va être de faire de la déduction, de mener l'enquête pour essayer de trouver l'identité des agents secrets qui sont autour de la table, donc qui sont vos concurrents. Et donc, pour ça, vous allez avoir différentes manières de procéder, et puis vous allez également avoir différentes manières pour permettre de les corrompre et de trouver leur identité. Alors, on va y aller petit à petit. Vous allez voir déjà au niveau de la mise en place, eh bien, vous avez des cartes rouges comme celle-ci, des cartes bleues comme celle-ci d'agents, et vous allez donc distribuer une carte rouge comme ceci face cachée à chaque joueur. Ce sera l'identité de chaque agent secret autour de la table. Donc ici nous en avons un et un deux et un troisième juste ici. Voilà, vous allez avoir des paravents, donc ici j'en ai pas mis parce que pour que vous puissiez bien voir. Derrière ce paravent, vous allez cacher une petite feuille comme ça que chaque joueur va avoir, et vous allez en avoir autant que le nombre de joueurs moins 1. Puisqu'ici, à 3 joueurs, eh bien, vous allez en prendre 2. Alors du coup, j'en ai pris qu'une là pour vous montrer, mais normalement, vous allez en prendre 2. Vous allez également avoir une carte d'espion qui sera juste ici, et vous allez avoir 3 cartes du paquet bleu qui vous seront distribuées. Voilà, les cartes, elles sont devant vous, vous allez voir que vous allez pouvoir les échanger et puis essayer, grâce à ces cartes, que vous allez faire de la déduction. Ensuite, vous allez mettre 3 cartes du paquet rouge ici sur le côté sans les regarder, et vous allez mélanger les cartes rouges et les cartes bleues qu'il va rester pour former une seule pioche, et en étaler 5 sur la table comme ça pour faire une rivière. Alors j'ai rajouté un petit bloc-notes ici avec les documents que vous allez avoir pour que l'on puisse bien les voir bien au centre, pour que ce soit bien net. Alors vous avez ici le nom de l'agent, donc vous allez mettre le nom d'un des joueurs que vous avez autour de la table. Ici vous allez mettre la date si vous le souhaitez, et vous allez prendre une deuxième feuille pour le deuxième agent qu'il y a aussi autour de la table. Et ensuite vous allez avoir des numéros, donc de 1 à 20, donc ça correspond aux 20 cartes rouges qu'il va y avoir dans le jeu. Et chaque carte va avoir des symboles, comme par exemple ici des satellites, des sous-marins, des cartes du monde, des agents biochimiques, les extraterrestres, vous avez ici des je sais pas quoi. Donc vous allez avoir 6 symboles différents que vous allez retrouver sur toutes les cartes. Chaque carte espion a une série de 3 symboles qui lui est unique, et donc c'est comme ça que vous allez faire de la déduction. Je vais vous montrer déjà ma carte ici. Normalement vous n'allez pas le faire évidemment, mais vous allez la regarder. Vous allez ici avoir la carte numéro 10. Ça veut dire que moi, mon petit document, je vais pouvoir barrer directement. Je vais le faire ici. Je vais pouvoir barrer directement le numéro 10 parce que je sais que c'est moi. Donc, je ne peux pas deviner un 10 ailleurs. Sur ma carte, vous voyez que j'ai, par exemple, on va faire voir sur ici. Les cartes rouges sont les seules à avoir 3 logos, comme ça, 3 petits dessins, et elles ont 3 lettres A, B et C. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir mener l'enquête et essayer de comprendre un petit peu par élimination quels symboles peuvent être sur les cartes de vos adversaires, et donc par élimination d'essayer de les trouver. Les cartes bleues peuvent contenir un symbole ou 2 symboles, et c'est tout. Les cartes rouges comprendront toujours 3 symboles avec des lettres. Au passage, sur la table, on voit ici qu'il y a le 5 et qu'il y a le 18. Donc forcément, vous allez avoir le 5 et le 18 qui ne seront pas les cartes des amis autour de la table. Donc à chaque fois que vous allez voir une carte rouge, donc une carte avec 3 éléments qui vont arriver ici dans la rivière, eh bien vous allez pouvoir tout de suite la barrer et du coup par déduction savoir que ce n'est pas cette carte. Voilà, donc là comment ça va se passer? Eh bien à chaque tour, vous allez avoir 2 actions principales que vous allez pouvoir faire.
La première va être de découvrir, vous pouvez annoncer l'identité d'un des agents secrets qui est autour de la table. Et là, vous dites, eh bien, toi, mon ami, eh bien, je pense que tu es le numéro 13, par exemple. Si le numéro 13 est bien celui du joueur, eh bien, il va devoir dévoiler sa carte et alors je vais pouvoir continuer mon tour, mais j'aurai déjà démasqué l'un des deux agents secrets que je dois démasquer pendant la partie pour remporter la partie. Car oui, il va falloir démasquer, comme je vous le disais, les agents qui sont autour de la table, mais donc vous pourrez le faire à la fois donc en disant « tu es le numéro machin » ou bien en faisant également, en donnant une information vitale qui va faire en sorte que vous allez forcément du coup être découvert. L'information vitale, c'est la deuxième action que je peux faire. Et pour cela, ça va être une manipulation un peu particulière. Vous voyez que ici, donc j'ai quatre logos différents. Donc ça, c'est pas très pratique. Par contre, ici, on voit que sur ce joueur-là, on a un sous-marin, on a un deuxième sous-marin et on a un petit pot avec, on dirait, des bactéries. Et bien, pour faire une information vitale, il va falloir répondre à deux critères. Il va falloir que j'ai par exemple un sous-marin, ou peu importe le logo, mais peu importe le dessin, qui soit représenté trois fois. C'est-à-dire le sous-marin devra être sur toutes les cartes. Ou bien le pot de bactéries devra être sur toutes les cartes, ou bien le Roswell ici va être sur toutes les cartes. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Et il va falloir que le deuxième élément qui est sur ma carte de deux éléments soit également sur celle de trois éléments. Ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. J'ai remplacé la carte qui était tout au fond de la rivière, tout au début ici, pour mettre une carte qui sera compatible avec ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'ici, si par l'effet d'un effet de jeu, j'enlève cette carte-là, le petit extraterrestre, et que je prends cette carte-là pour l'amener juste ici, eh bien, je remplis la condition de la formation vitale. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un sous-marin sur mes trois cartes, et j'ai bien un symbole exact, le même symbole sur les deux cartes ici. Donc là, je vais demander à un joueur s'il a un sous-marin sur sa carte de personnage. Si il n'a pas de sous-marin, eh bien mon tour s'arrêtera, comme d'ailleurs mon tour s'arrêtera également si je me trompe de numéro lorsque je veux découvrir le code de l'agent. Mais si par contre il a bien le sous-marin, eh bien je vais gagner donc une information vitale et qui va me faire peut-être gagner la partie si j'ai déjà découvert vraiment l'identité d'un des agents autour de la table. Car vous allez remporter la partie si vous découvrez donc deux agents, si vous découvrez deux informations vitales, ou bien si vous découvrez un agent et une information vitale. Donc c'est très important à se rappeler, voilà, il va falloir garder ça dans un coin de votre tête, d'arriver à avoir ces informations qui peuvent vous faire gagner la partie. Dans le cas de figure où j'ai fait une action primaire et que elle a été réussie, eh bien j'ai le droit de continuer de faire d'autres actions, mais je peux également ne pas faire d'action primaire, c'est-à-dire de trouver une information vitale ou de désigner un agent en disant je t'ai découvert, tu es tel numéro. Eh bien j'ai le droit quand même de faire des actions qui seront des actions d'enquête qui vont permettre d'évoluer dans mon enquête et dans ma déduction ici pour trouver un petit peu les codes des agents. Alors comment ça va se passer? Eh bien par exemple je vais pouvoir faire une enquête privée et lorsque je fais dans l'enquête privée ou publique, eh bien je vais défausser une ou deux cartes et c'est ce qui va me permettre d'aller chercher des cartes ici dans la rivière pour compléter des séries, pour faire des informations vitales. Par exemple je pourrais prendre ces deux cartes et dire au voisin qui est un agent autour de la table, est-ce que tu aurais l'une de ces icônes, donc par exemple le Roswell ou le sous-marin, est-ce que tu aurais l'une de ces icônes en A sur ta carte? Je lui donne les deux cartes, il va les regarder secrètement, sous la table il va les mélanger, et là il va soit me rendre le paquet, donc toujours face cachée comme ça, avec une carte visible en dessous, et dans ce cas-là ça veut dire que oui, effectivement il a un de ces deux symboles en A, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que j'ai soit un extraterrestre, soit un sous-marin en A, donc je vais pouvoir effacer tout ce qui n'a pas de sous-marin ou d'extraterrestre en A sur toutes les cartes ici. Donc déjà, on voit que les sous-marins, il n'y en a aucun en A, donc ça va me laisser que les extraterrestres. Donc du coup, ça va vite éliminer. Hein. C'est un peu inquiet, hein, l'histoire. Ou bien, si c'est non, eh bien, il va mettre les deux cartes l'une face à l'autre, et il va me les rendre, et je vais regarder, et là, ah, surprise, les cartes sont retournées, donc ça veut dire que la formation n'est pas exacte, et donc je vais pouvoir barrer, bah, du coup, tous ceux où il va y avoir des extraterrestres en A, par exemple.
Ensuite, je vais moi-même mélanger mes deux cartes pour ne pas donner d'informations aux autres joueurs autour de la table. Et je vais les défausser ici. Alors, normalement, la défausse, elle est juste à côté ici de la pioche. Et voilà. Et du coup, alors maintenant, j'ai deux cartes ici qui n'existent plus dans mon deck. Mais il faut que j'en reprenne pour en avoir un nouveau 3. Et pour cela, eh bien, je vais peut-être prendre des cartes comme par exemple celle-ci qui pourrait être intéressante pour avoir quelque chose ici. Et puis, bah, pourquoi pas, allez, hop, celle-ci. On complète la pioche. Et voilà, et là maintenant on a une nouvelle carte, un 11 qui vient d'arriver, et bien ça veut dire que le 11, on peut le barrer. Pour une enquête publique, et bien ce sera la même chose, sauf que vous allez dépenser une seule carte de votre deck ici. Donc vous allez prendre par exemple celle-ci, vous allez dire, est-ce que camarade, tu as l'un des éléments de cette carte? Alors pour le coup il n'y en a qu'un, mais vous pourriez très bien faire une carte avec plusieurs éléments. Est-ce que tu aurais l'un de ces éléments sur sur la ligne C de ta carte? Et là, ben voilà, ça va vous donner une bonne information, parce que si vous donnez une carte avec un seul symbole, évidemment, ça va être beaucoup plus facile si jamais la réponse est oui. Donc si c'est oui, et bien hop, vous allez barrer toutes les cases où il n'y aura pas de drapeau, enfin de carte ici en C. Et si c'est non, bah vous allez effacer, évidemment, vous aurez compris les endroits où vous aurez une carte en C. Maintenant, je pense que vous avez compris comment fonctionne le jeu. On va mettre la carte ici, et puis bah là, je vais essayer de récupérer, pourquoi pas, une carte. Et puis bah ça tombe bien, parce que regardez ici, il y a un satellite tout seul. Et là, lors d'un prochain tour, je vais pouvoir faire une information vitale, puisque j'ai 3 satellites et 2 bactéries. Donc c'est impeccable, je vais pouvoir faire une information vitale sur cette carte lors d'un prochain tour. Vous pouvez également choisir de ne pas répondre lors d'un interrogatoire, et du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est une enquête publique, eh bien, vous allez prendre l'une de vos cartes et vous allez la donner au joueur qui vous a fait la demande de l'interrogatoire. Et si jamais c'était lors d'une enquête privée, eh bien, vous allez en défausser 2, vous allez en donner 2 des cartes. Donc ça, c'est plutôt pas vraiment bien. Enfin, vous allez avoir une carte spying ici, une carte d'espion, et cette carte va vous permettre 2 choses à tout moment du jeu. Vous pouvez très bien dire, j'utilise ma carte espion, et là vous allez prendre les 3 cartes qui sont ici face cachée, vous allez les regarder, et là vous avez 3 cartes de numéro d'espion qui, de manière sûre, ne sont pas les codes des agents qui sont à côté, donc vous allez pouvoir les barrer juste ici. Et également, la deuxième action que vous pourrez faire, donc ce sera l'une ou l'autre, hein, parce qu'une fois que votre carte est utilisée, vous allez la jeter, et bien vous allez pouvoir récupérer une carte, donc celle que vous voulez n'importe quand sur le plateau. Ça peut être vraiment bien, surtout si vous voyez que quelqu'un d'autre veut essayer de trouver cette carte, peut-être pour se réunir une information vitale au niveau de sa zone de jeu. Et bien voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'à temps de déduire, de gagner la partie en faisant la déduction, en trouvant, donc je vous l'ai dit, hein, soit les agents, soit des codes, des informations vitales, et vous allez donc terminer, donc définir qui sera le meilleur agent secret autour de la table. Vous avez dans les règles du jeu un mode de tournoi pour ce jeu, vous avez un mode famille, vous avez un mode rapide, vous avez également un mode spécial pour 2 joueurs où chaque joueur va avoir 2 cartes à faire deviner, et puis vous allez avoir 2 rivières, etc. Donc ça, c'est pour le mode de joueur. Bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit sur ce jeu. Donc je vous rappelle qu'il sort le 1er novembre, donc sur Kickstarter, et que vous pouvez aller jeter un œil à cette campagne pour peut-être vous procurer le jeu, donc le pledge, si le jeu vous plaît. Donc je ne connais pas le tarif des pledges au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je vous invite à aller jeter un œil, parce que nous, ça nous a beaucoup plu. C'est vrai qu'au début, le design des cartes, alors en même temps, ce n'est encore qu'une version pré-production, ce n'est qu'une, enfin même pas une version de prototype, donc vraiment bien avancée, mais je ne sais pas si ce sera le design final du jeu ou pas, ou si ça va changer. Bon, en même temps, c'est plutôt, je vous avoue que les illustrations sont pas jojo, mais on arrive quand même à faire abstraction de ça, et puis on est quand même dans la thématique de la guerre froide, un peu avec cette époque, etc. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ce jeu là on a joué à 3 et c'était très sympa. C'est vraiment, la tension monte au fur et à mesure que l'on commence à déduire des cartes, etc., à trouver des agents, au moins quand on trouve un agent, etc. Donc vraiment, au niveau de l'ambiance à la table, c'était très sympa et très agréable. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit œil à ça. Et puis bah, maintenant que vous savez tout sur Agent Who, et bah alors, tu joues ou quoi ?